بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحين نكملوا آخر جزء إن شاء الله وبإذن الله من le filon des ascomycota et le sous-filon des pusizomycotina. بعد ما شفنا في le sous-filon des pusizomycotina exactement l'ordre des hypocriales, on a le claviceps purpurea. Rachim Prateni, l'ordre des hypocriales, la famille des cordycipitacées, le genre cordyceps, l'espèce cordyceps sinensis et Rololo champignon tibétain. Comme nous le cours, nous recevons des informations à la hada cordyceps sinensis ou à la champignon tibétain ou l'istimalat nta'o dans le domaine médical ou fouachi hamna, etc. Nous recevons des informations à lui ou bien nous recevons comme le cours tana, parce que j'ai l'air. هنايا عندنا كلاسيفيكاسيون سيانتيفيك تبدا من لو غاني حتى ليسبيس باش نتعرفوا على هاد ليسبيس بيان كيما قلنا لو غاني دي فونجي ولا دي شامبينيون ديفيزيون ولا الفيلون دي زاسكوميكوتا لو سو فيلون ولا سو ديفيزيون نتاع لي بوزيزوميكوتينا لا كلاس سورداريوم 7 l'ordre des hypocréales, la famille des cordycipitacées ou la famille des ophiocordycipitacées. On a tenu le genre de cordyceps, on a tenu le genre ophiocordyceps ou l'espèce cordyceps sinensis ou la ophiocordyceps sinensis. Maintenant, je vais vous donner des informations générales à la hête d'espèce. Il y a un champignon tibétain. Parce que tout simplement, il y a un champignon des rois cordyceps sinensis et qui est un type de type. Il y a un champignon من أعالي الهضاب في العالم وهي اون ريجيون اوتونوم حكم ذاتي كاينه في الصين ومعروفه يقولوا لها سقف العالم بسبت القيمه الهائله اللي فيها هنا دي زانفورماسيون جينيرال على الكورديسيبس لو كورديسيبس اي تان شامبينيون كي في سور سارتان شوني dans les régions de haute montagne de Chine, qui est maintenant sur le haut plateau tibétain au nord de l'Himalaya, le Tibet, Hadabat Tibet, qui est maintenant en arabe, qui est une région autonome de Chine, surnommée tout du monde, Saf al-Alam, parce que c'est mis l'artifaat ou le qimam l'haïla. Les fibres. Donc, les cordyceps naturels sont difficiles à obtenir et peuvent être coûteux. Donc, la plupart des suppléments sont fabriqués avec des cordyceps cultivés en laboratoire. Le cordyceps est le plus couramment utilisé pour les troubles rénaux et les problèmes sexuels masculins. Il est également utilisé après une greffe de rein. Il est également utilisé pour les problèmes de foie, l'amélioration des performances sportives et de nombreuses autres conditions. Mais il n'existe aucune bonne preuve scientifique pour soutenir ces utilisations. Comment ça marche? Le cordyceps pourrait améliorer l'immunité et stimulant les cellules et les produits chimiques spécifiques du système immunitaire. Il peut également
avoir une activité contre les cellules cancéreuses et réduire la taille de la tumeur, en particulier avec les cancers du poumon ou de la peau. Ou qui m'a connu, les champignons parasitent les chenilles ou les larves des insectes. Donc, larve ou hada stroma de champignon. Il développe pas à l'excès de chenille ou la larve. Hado des photos à la de champignon. Donc, hada pour champignon de stroma. J'ai une partie aérienne. Ou hada larve ou la chenille. Donc, hada huwa cordyceps sinensis qui parasite les larves des insectes ou là les chenilles. Marjou l'effet de ces champignons, il est fréquemment utilisé pour améliorer entre autres la respiration, le métabolisme, les fonctions sexuelles et la clarté mentale. Le champignon chenille est ce que les herboristes appellent communément un adaptogène, terme désignant une plante augmente la capacité de notre corps à s'adapter aux différents stress, quelle que soit leur origine. Et pour ceux qui sont familiers à ce type d'effet, ce champignon est l'un des meilleurs adaptogènes connus de l'homme. En termes de médecine chinoise, le champignon chenille renforce l'essence du corps, nourrissant la source même de la vie. Donc, Kimanchofo, Hadarua, champignon, cordyceps, sinensis, l'ordre des hippocriales, la famille des cordycipitacées. Le champignon, c'est un champignon cousin de Claviceps purpurea. Outéni, c'est un champignon parasite qui m'a connu, qui fout qui m'a Claviceps purpurea. Ou en général, on retrouve bzef des champignons parasites. Fait l'ordre des hippocréales en général. Il y a des cas, bien sûr, chez parasites, mais en général, la plupart des espèces fait l'ordre des hippocréales en général sont des espèces parasites. Claviceps purpurea parasite le seigle, Hneia, cordyceps sinensis parasite des larves des insectes. Qui m'a connu des champignons utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Sa partie aérienne est connue le carpophore, Hada. Hada, la partie aérienne interne, carpophore, comme la fructification d'arrêt de champignon. Regardez, là, je prenais la partie aérienne. Je vois la maloula, parasite, Hada. Les larves de les insectes. Bien sûr, parasites, hydratent les cerveaux. On peut y couper ou y sortir de cette larve ou y sortir qui m'a raconté sur vous maintenant. Hada la partie aérienne. Stroma de cette champignon. Là, la partie aérienne. Qui m'a connu la partie aérienne, le carpophore ou la fructification de cette champignon, a la forme d'un doigt de 4 cm à 11 cm de long. Se développe après la mort de l'insecte. Qui m'a connu la mort de cette larve. En une sorte de prolongement de son corps.
كما قلنا يدير برولونجمون من الكور نتاع هاد الشونيل ويخرج ويطلع الفقاع كما راكم تشوفوا هنايا وهذا سي لا بارتي ايريان نتاعو دونك هاد الشامبينيون يخرج son carpophore ou la sa fructification en dehors du corps mort de l'insecte. Donc ça la prolongation de head champignon. Qui maintenant head champignon on le trouve au pied des arbres dans les hautes montagnes de la Chine. Plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, راح يكون في ارتفاعات كبيرة بزاف. وش معناتها؟ معناتها كاين دي كونديسيون دو في ولا انفيرومونتال صعيبة دور. سي بور سا اون ا دي بروبريتي كي سون انتريسانت بور لو شامبينيون. Alors, parce qu'une fois que le champignon est riche dans des conditions extrêmes ou un environnement dur, chaque environnement dur, il est oxydant. Donc, le champignon pour l'adaptation à l'environnement oxydant, il y a des substances antioxydantes pour l'adaptation à le milieu qui est riche. Ou mesurer بالنسبة للشامبينيون عندك عند لي شامبينيون ولا لي بلونط ولا لي زالك ولا شاك انديفيدو كي يعيش دون ان انفيرونمون لازم يدير دي سوبستانس ولا تغيرات بزاف بور لادابتاسيون مع هذاك لانفيرونمون باش يقدر يعيش فيه يقدر يعيش في هذوك لي كونديسيون الصعب نتاع هذاك لو ميليو على بها من المزايا نتاع هاد الشامبينيون ومن الاستعمالات الطبيه نتاعو هو انه هاد الشامبينيون عباره على ان انتي اوكسيدون واش معناتها ان انتي اوكسيدون معناتها ان اجون كي امبيش او رالونتي l'oxydation en neutralisant des radicaux libres. Donc, parfois, je m'arrête les radicaux libres. Dans l'organisme, la respiration cellulaire génère des espèces réactives de l'oxygène qui peuvent être à l'origine de radicaux libres. Les radicaux libres en excès sont responsables de dommages cellulaire, notamment sur l'ADN, et peuvent favoriser des maladies. À l'inverse, des antioxydants luttent contre le stress oxydatif responsable du vieillissement cellulaire. Il aurait donc un effet anti-âge. Donc, un antioxydant empêche ou la ralentit l'oxydation parce qu'il neutralise les radicaux libres. On va rajouter les aliments qui contiennent les antioxydants. On va rajouter les radicaux libres. On va rajouter le stress oxydatif chez lui. Dans des aliments, le pouvoir antioxydant est mesuré par l'indice OAC. Pour Oxygen Radical Absorbance Capacity ou capacité d'absorption des radicaux libres. Les aliments ayant un indice ORAC élevé sont surtout des fruits et des légumes. Donc, les aliments là, nous avons et nous avons les radicaux libres. Kiwi, agrumes, pommes, fruits rouges, choux, épinards, ou ma sabaner, ou la kimakoulou l'amia silk, ou
carottes, etc. Mais aussi d'autres aliments comme le chocolat, les épices, les coquillages, le thé, etc. Certains compléments alimentaires proposent des produits riches en antioxydants. Certains des cosmétiques contiennent aussi des molécules antioxydantes pour lutter contre les effets du vieillissement sur la peau. Donc, il m'a dit que je vais vous parler des radicaux libres. Donc, un radical libre est un fragment obtenu par cession d'une molécule et qui possède un électron célibataire. Un électron célibataire, donc non apparié, ce qui lui confère une grande réactivité chimique. C'est donc une molécule instable, très réactive avec les molécules environnantes. Un radical libre tente de céder ou de gagner un électron et transmet ses propriétés à une autre molécule, d'où des réactions en chaîne. Dans l'organisme, et plus précisément au niveau des mitochondries, l'oxygène est à l'origine de formation des espèces réactives de l'oxygène parmi lesquelles se trouvent des radicaux libres. Des radicaux libres se forment lors de différents processus biologiques. La respiration, le stress, l'inflammation, etc. Par exemple, lors de la respiration cellulaire, la molécule de dioxygène gagne un électron et forme un superoxyde. Donc, l'oxygène est à l'origine des radicaux libres. Ou le stress oxydatif. Le stress oxydatif ou stress oxydant correspond à une agression des cellules par des radicaux libres. Elle évira les radicaux libres, même chez l'air ou les mains des antioxydants, bêche et n'absolument les radicaux libres. L'essentiel aide les radicaux libres, aussi appelés espèces réactives de l'oxygène, ERO. Il ne faut pas confondre stress oxydatif qui s'observe au niveau cellulaire et stress psychologique au niveau de l'organisme. Radicaux libres et antioxydants. Les radicaux libres sont produits en permanence par l'organisme à partir d'oxygène dans la cellule, notamment au niveau de la mitochondrie dans la chaîne respiratoire. Les ERO, les radicaux libres, sont des substances réactives et très toxiques. Le stress oxydatif est causé par un déséquilibre entre les radicaux libres pro-oxydants et les antioxydants. Il y a de les antioxydants, la quantité d'axa par rapport à la quantité des radicaux libres, donc qu'on a besoin des radicaux libres, les radicaux libres sont des substances très réactives et très toxiques, donc ils se bonnent le stress oxydatif ou le vieillissement cellulaire. Parce que les substances, les radicaux libres, attaquent ou là, provoquent une agression des cellules de l'organisme. Donc, nous allons le cours interne, je vous les vertus de
le cordyceps sinensis. Maintenant, أول حاجة كيما شرحنا من قبل أنتي أوكسيدان. شرحنا واش معناتها أنتي أوكسيدان. لي زاليمون اللي نلقاو فيهم دي سوبستانس أنتي أوكسيدان. وتاني لي راديكو ليبر ستريس أوكسيداتيف إتسيتيرا. وتاني من المزايا تاع هاد الشامبينيون هي لا بريفونسيون دي بروبليم كاردياك. Hypocholestérolémie, prévention des problèmes et faiblesse hépatique, diminution des risques de problèmes respiratoires, prévention des troubles rénaux, stimulation du système immunitaire et finalement augmentation des performances physiques. عندنا هنا قبل ما نكملوا لوردر دي زيبوكريال ونفوتوا لوردر دي فوزيزان لازم نعرفوا نوصيون تري امبورطونت هنا قال لك اتونسيون نو با كونفوندر افيك لو كفير هاد الكفير اول حاجه لازم نعرفوها ابيلي ايغالمون شامبينيون تيبيتان alors ce n'est pas le cas. باسك دوك نعرفو بلي هاد لو كفير عبارة على انسومبل دو باكتيري ريكونستيتيون لا فلور انتستينال وماشي غير دي باكتيري دي زوتر ميكرو اورغانيزم دي ليفور ايتترا دوك نعرفو اون ديتاي ونعرفو حتى لا بريباراسيون نتاع هاد لو كفير عندنا هاد الكفير c'est une masse blanchâtre cultivée dans le lait en forme de chou-fleur. Le kefir boisson naturelle probiotique. Donc on a appelé ce mot probiotique. L'origine du kefir ou la kefir semblerait être le Caucase. Cependant, certaines sources évoquent le Tibet et ou là la Turquie, etc. Sans doute que les peuples nomades l'ont fait voyager. Deux boissons fermentées peuvent être faites à partir de grains de kéfir. Andna le kéfir. D'eau ou de fruits ou maintenant le kéfir de lait. Les deux sont considérés comme probiotiques et réputés avoir des vertus régulatrices et purifiantes de l'organisme, voire même thérapeutiques. Maintenant les grains de kéfir. Où les trouver? Les grains de kéfir ressemble à un amalgame de grumeaux comme du chou-fleur, de couleur allant du translucide kéfir d'eau ou blanc de kéfir de lait. On a la source dite minha d'airin blé had le kéfir champignon. Ou qu'il y a beaucoup de sources qui disent que le kéfir c'est un champignon. Ou qui m'a dit que le champignon appelé également champignon tibétain. Je vais vous Google, je vais vous dire champignon tibétain, je vais vous dire le kéfir ou je vais vous dire le cordyceps sinensis. Donc, qui m'a dit que le lot un champignon. Mais la réalité, c'est le kéfir ou le kefir constitué de micro-organismes vivants tels que les bactéries, levure et des probiotiques présents naturellement dans les intestins. C'est le kefir. Comme tous les champignons, ils se multiplient rapidement et fortement. Attention à bien conserver les grains de kéfir. Ils sont
fragiles, s'ils deviennent jaunâtres, ils sont en train de mourir. Ils n'ont plus leurs propriétés curatives. Ne jamais les manipuler avec des ustensiles en métal. N'utilisez que du bois ou du plastique. Pour les conserver longtemps, vous pouvez égrener quelques peaux, les amas sur un tissu propre et les lisser, sécher à l'air avant de les mettre dans un petit bocal ou un sac de congélation que vous garderez au réfrigérateur. Vous pourrez les conserver ainsi plusieurs mois. Le jour où vous voudrez refaire une boisson, vous devrez mettre les grains de kéfir dans un bol d'eau sucrée, tiède, durant une nuit, avant de les filtrer au matin. Le vertu de kéfir, la boisson probiotique préparée à partir des grains de kéfir, régularise le métabolisme vicié grâce à ses propriétés purifiantes, digestives et bénéfiques sur la flore intestinale. Au-delà de cela, les caucasiens lui prêtent bien d'autres vertus comme renforce des défenses immunitaires, abaisser le taux de cholestérol, régulariser la tension artérielle, favoriser une bonne circulation du sang, lutter contre les troubles veineux, protéger l'estomac, le foie, le pancréas, traiter l'asthme et les maladies respiratoires, favoriser la cicatrisation des plaies, blessures, eczéma, agir sur les troubles urinaires et rénaux, freiner le processus de vieillissement des tissus cellulaires et vivre plus longtemps que la moyenne. وعندنا اخر حاجه ثاني نعرفوها على لو كيفير لو كيفير ne va pas jusqu'à arrêter la croissance des cellules cancéreuses contrairement à ce qui peut être écrit parfois mais il peut accompagner une chimiothérapie en apportant les vitamines B9 folate qui font sauf défaut كاين وين يقولوا بلي هاد لو كيفير يحبس لا كرواسونس نتاع لي سيلول كانسيروز مي نو ما يوصلش لدرجه انه يحبس لا كرواسونس نتاع لي سيلول كانسيروز مي يقدروا يمدوه مع لا شيميوثيرابي علاه باش يمد لورغانيزم الفيتامين بي 9 اللي يكون ناقص بالنسبة للأورغانيزم واللي يكون مهم بزاف في هذيك الفترة اللي يكون فيها الأورغانيزم en chimiothérapie. Donc بعد ما شرحنا le كيفير ومدينا des informations عليه et tout على الكونسيرفاسيون تاع لي غران تاعو وعلى l'importance تاعو في الدومين ميديكال و pour l'organisme وبعدا نكونو كملنا l'ordre des hypocréales ou nouveau l'ordre des pesizales R ordre le sous-filon des pesizomycotinoïdes fait bien sûr plusieurs familles obligatoire pour les familles où est-ce qu'on rappelle l'ordre des pesizales ando fructification caractéristique il y a l'apothécie ou à dire l'apothécie il y a un type de fructification des ascomycota. Au flipusilzal, on a deux types d'évolution
نتاع لابوتيسي نتاع لا كروسيفيكاسيون نتاع لي بوزيزا. كيما قلنا كاين بلوزيغ فامي في لوغدرو دي بوزيزال وعندنا دو تيب ديفولوسيون نتاع لابوتيسي ولا لا كروسيفيكاسيون كاركتيرستيك شي لو بوزيزال وليفولوسيون نتاع هاد لا كروسيفيكاسيون سولون لي فامي. باغ اكزومبل هنا عندنا لي 4 فامي هادو اولهم بوزيزال سي لو جون بوزيز عندنا بيرونو ماتاسي بيرونو ما كونفلونس عندنا لا فامي دي زيلفالاسي لو جون الفال عندنا لا فامي دي موشلاسي لو جون موري. من هاد لي 4 فامي لي ينتميو l'ordre des pusizales, maintenant un type d'évolution de l'apothécie des pusizales. Maintenant, on va partir de la photo et maintenant la fructification de la famille des pusizacées, les pusiz. Maintenant, chez les pusiz, par exemple, head l'apothécie vers le haut. و سيسي ما عندهاش بي توقف عليه اللي كولي ديريكتومون سور لو سول هادي سيسي يا با دو بي. هنا عند لي بوزيز ا اسمينها ا نروحو هنا في البي نلقاو باللي كاين لا فورماسيون d'un petit pied. Meshi, Cécile, Kima, Fil A. And les pesis. Donc, il y a la potésie. Ou Meshi, Cécile. Il y a une stipité. Avec un stip. Donc, Kail, un stip. La pie. Il y a la potésie. Meshi, Kima, il y a la potésie. Cécile, collé directement. Flusson. Donc, il y a une évolution. Après, il y a C, par exemple, la famille des Elvalacées, le genre Elvel, il y a le pied Heda ou la stip, la Hez, Hed la potésie, Twishouya par rapport au Hed stip, la FB. Donc, au tani, head l'apothécie, il a fait le pays, on est vers le haut. On a fait ici, nous remarquons que l'apothécie s'inverse. C'est le mec qui m'a accueilli. J'ai allé chercher le cos, il faut, ou l'aide, gilbert. L'apothécie s'inverse. Donc, C est plus évolué que le B. Le B est plus évolué que l'A. L'A est la moins évoluée. Nous avons le D. D est la forme la plus évoluée. Bien sûr, il y a les trois formes qui font tout le B. Où est-ce que nous اكثر من في السي وتاني الحاجة جديدة انه هنا في هاد لاتات ولا في هاد لشابو اللي هزو هاد لبي ونرمارك باللي كاين بلوزيور ابوتيسي دونك هنا يا في الدي نورمالمون في لفامي دي Mouchelacé, le genre mori. Maintenant, plusieurs apothécies sur le chapeau. Pour aider à la forme la plus évoluée par rapport à les trois formes différentes. Donc, les familles savent qu'on a plusieurs apothécies
Pyrénomataceae, Elvalaceae, Merchelaceae, هاد لي كاتر فامي مرتبين بالترتيب من الموانز ايفولوي حتى لبلوز ايفولوي، من لا فامي دي فوزيزاسي حتى لا فامي دي موكشولاسي. دونك لا فامي دي فوزيزاسي لا موانز ايفولوي، لا فامي دي موكشولاسي لا بلوز ايفولوي. هادي هي ليفولوسيون نتاع l'apothécie, la fructification caractéristique chez les peuzésales. Donc, maintenant, qui m'a deux types d'évolution de l'apothécie. Un, les peuzésales. Un type d'évolution de l'apothécie, l'évolution de l'apothécie des peuzésales. Donc, les quatre familles, les spagnons ou le carnaval, n'ont. Après, maintenant, une cinquième famille, l'Iria, la famille des tuburacées. Cette la famille des tuburacées, c'est l'ordre des peuzésales. On peut comprendre qu'il y a deux types d'évolution de l'apothécie. Maintenant, premier type d'évolution de l'apothécie, les quatre familles précédentes. Maintenant, deuxième type d'évolution de l'apothécie, c'est la famille des tuburacées. Maintenant, هاد السنكيام فامي من لوردر دي بوزيزان، و شاك فامي فيها دي جونغ و لي ديفيرون جونغ نتاع هاد لا فامي نوماركيو فيهم ايفوليسيون دو لابوتيسي من الجونغ لو موانز ايفولوي حتى لو جونغ لو بلوز ايفولوي. دونك في لا فامي تيبوراسي لابوتيسي سو فيرم en organes globuleux en forme de tubercule. Oula, il coulera truffe. Donc, c'est la famille des tuberacées. C'est la famille la plus évoluée. Mais elle va évoluer dans un autre sens. Le sens de la vie souterraine. C'est le sens différent du premier sens. بعد ما شفنا لو سونس الاول نتاع لي كاتر فامي لي ذكرناهم و ليفولوسيون نتاع لابوتيسي نتاعهم و كان في لو سونس ديفيرون. دونك كيما شفنا كان فوق الارض، لا ليفولوسيون نتاع لابوتيسي كانت سور لا تير سور لو سول. مي هاد لا فامي لي تيبوراسي ليفولوسيون نتاع لابوتيسي تكون dans un sens différent. Elle a le sens précédent, donc dans le sens de la vie souterraine ou la vie hypogée. Pour donc rappeler à la l'évolution des genres de la famille en détail. Donc alors qu'on a parlé de la famille, il y a la famille la plus évoluée parce que la famille est mieux protéger les organes de reproduction passés à la vie souterraine, passés à la vie hypogée. Donc, les organes de reproduction plus protégés que les organes de reproduction inter les familles précédentes, les quatre familles. Quand il faut pas aérienne ou quand les organes de reproduction chauffe, quand les mignons vers le haut ou à la barre ou sur le chapeau, donc mais quand je veux être protégé, mais fait la famille bête ma fait ou fait les organes la vie souterraine ou les mieux protégés. Donc tout le mécano les organes de reproduction protégés quand l'évolution intervient le genre ou intervient l'espèce. Ou bien sûr, maintenant, la vie souterraine aide la famille des tuberacées. On a la symbiose avec les racines des arbres. On a fait que la plupart des genres ou des espèces intervient
la famille des tuberacées a un mode de vie symbiote. Les racines des arbres, une symbiose des champignons avec les racines des plantes. Il y a mycorhizes. Ou tali, machi, kamel, عندهم mode de vie symbiote. Kayen, les عندهم mode de vie ça profite. Mais la plupart, ou surtout les gens les plus évolués, عندهم mode de vie symbiote. J'ai eu le deuxième type d'évolution de l'apothécie. Les kayen, l'ordre des pusizales, exactement la famille des tuberacées. عندنا في الاول كامل هذا par exemple le genre Genea, le genre le moins évolué. هاد la famille des tuberacées. قبل ما نبداو نشرحو عندنا لي اسكوغار ولا لي فروكسيفيكاسيون exactement هنا l'apothécie formée d'une paroi externe ياك يقولوا له péridium plus la partie centrale fertile اللي هو l'hyménium ولا يقولوا له glabre. Donc l'hyménium fait de la famille Ipololo et glabre parce que c'est un hyménium désorganisé et à l'intérieur même de la fructification. Ou est l'hyménium qui m'a connu complètement différent là l'hyménium les chefner les quatre familles précédentes. Marjorie qui m'a connu le genre le moins évolué Genia fait la famille. عندنا l'apothécie un petit peu enfoncé par rapport aux autres apothécies. Les chefnerons, par exemple, l'apothécie dans les pesis, qui est sur la terre, directement attaché à la terre, sur la terre. من هنا تبدا من هاد الخط من la surface du sol. كانت الفوق. Mais on remarque un des genres généaux, fait de la famille, fait de la potissie un petit peu enfoncé le sol. D'accord. Apothécie épigée. Mèche تحت le sol, كامل, ou mèche تاني exactement فوق le sol. Donc, j'ai un petit peu enfoncé le sol, mèche qui m'a les autres apothécies. Bien sûr, on a l'hyménium, cette partie arrachée. Ou on a c'est l'enveloppe externe. Ou le péridium. Ou le péridium, la scotissée. On a le genre le moins évolué. On a le genre hydnocystis. Nous remarquons que l'apothécie s'inverse à l'intérieur du sol. Donc, apothécie retournée, enfoncée dans le sol. Ou andra l'enveloppe externe, péridium, ma l'hyménium. Le genre loul ou deuxième genre, on a l'hyménium lisse. Nous avons le troisième genre, Stephensia. On a remarqué que l'apothécie, on a l'enveloppe externe, péridium, ou l'étané, la vie souterraine, la vie hypogée. Mais, هنايا لا ديفيرونس مع هاد الدوزيام جون هو انه لابوتيسي تبدا تتسكر لابوتيسي سو روفيرم و ليمينيوم سو بليس ها نو ماركيو لي بلي هادو نتاع ليمينيوم دونك ليمينيوم سو بليس لابوتيسي سو روفيرم
ou toujours il y a la scotici ou là l'enveloppe externe. Donc, il y a deux genres plus évolués que les deux genres les plus. بعدا نروحو لو جون تيبر عندنا فيه هنايا دو زيسبيس هنا عندنا ليسبيس تيبر ميلانوسبوريوم نرماركيو بلي هنا لابوتيسي اي كومبليتمون فيرمي هنا بدات هنا لابوتيسي سو روفيرم هنا لابوتيسي اي كومبليتمون فيرمي وتاني هنا عندها لابوتيسي هنا في هاد الاسباس تخوازيام عندها لانفلوب اكسترن لاسكوتيسي هنا في الاسباس تيبير ميلانوسبوريوم لانفلوب ديسباري دونك يابا دانفلوب اكسترن ما عندناش بيريديوم مي الحاجة تاني اللي كاينة في هاد الاسباس وما كانش l'espèce les qablou ou bien sûr tbina l'évolution de cette espèce ou enno l'apothécie ou là où fiha des petits pores had les petits pores favorisent la respiration de had le champignon hna عندنا les minium ldakhl plissé كتبين هنا ميسيليوم ليسي دونك لي مينيوم ديزورغانيزي ا لانتيريور دو لا فوكسيفيكاسيون دونك ا لانتيريور دو لابوتيسي على بها في هذه الحاله يقولوا ايمينيوم ولا غلاب دونك كيما قلنا في هاد ثوازيام اسبيس توجور لو شامبينيون غاردي l'enveloppe externe péridium à l'extérieur qui va le protéger. Mais hnaya tuber mélanosporium normalement état plus évolué. Donc l'état la plus évoluée c'est du genre tuber truffe noire. On a la perte de péridium, la perte de l'enveloppe externe, ne regardez que certains pores qui permettent la respiration de tous les minium qui se trouvent à l'intérieur de la fructification, donc à l'intérieur de l'apothécie. هنا عندنا تيبر نيتيديوم نيتيديوم N E T E D U M تيبر نيتيديوم هنا يتاني كوب لهاد تيبر نيتيديوم هاد تيبر نيتيديوم مازال عندو لونفلوب اكستيرن والميسيليوم داخل plissé ou عنده une orifice هنايا pour les échanges gazeux. Donc, dans ce cas, l'apothécie se compartimente on observe vite au niveau de chaque compartiment qui sert aux échanges gazeux. وعندنا هنا في التوبير نيتيديوم عنده ان انفلوب اكسترن ليس اسكوتيسي ولا بيريديوم ليس دونك التوبير نيتيديوم عنده لاسكوتيسي ولا انفلوب بروتكتريس ولا لونفلوب اكسترن مي هنا في التوبير ميلانوسبوروم ما عندوش qui m'a maintenant voit la forme la plus évoluée, celle du genre tubère. Vous voyez les truffes noires. Vous remarquez que l'enveloppe externe disparaît. Donc, qu'il y a une rêve des pores qui fait le champignon favorise la respiration. Donc, هذا موز ايفولوي
هذا بلوز ايفولوي كو جينيا الثالث بلوز ايفولوي كو الدوزيام ونورمالمون هذا هو الكاتريام تيوبر ميتيديوم هاد بلاص كوتي سي فيرمي كومبليتمون فيرمي وتاني ليمينيوم بليسي وراه صافا un peu organisé par rapport les millions de tubers mélanosporins ou un dos une orifice pour les échanges gazeux parce qu'il y a des champignons séparés les plusieurs compartiments pour chaque compartiment qu'il y a un orifice mais il y a quand même tani ou mazel l'espèce محافظ على l'enveloppe externe interne donc moins évolué que head tuber melanosporum donc cinquième le plus évolué fait de la famille des tuberacées bois tuber melanosporum truffe noire pas d'enveloppe externe éminent lissé ou désorganisé à l'intérieur de l'apothécie ou cahier des pores favorise la respiration ou bien sûr l'apothécie est complètement fermée. Il y a l'état la plus évolué fait la famille termine des tuberacées. Donc, il y a deuxième type d'évolution de l'apothécie chez la famille des tuberacées. Maintenant, je fais le deuxième type d'évolution de l'apothécie des tuberacées. Donc, je vais t'arrêter en Algérie. Une truffe se développe en symbiose avec les racines des cystes, l'hélianthème et d'Artemisia herba elba. L'Artemisia herba elba moua chih. Pour la plupart des truffes les kaina en Algérie nlqawha les racines nta Artemisia herba elba fi sahara ou had l'espèce les kaina en Algérie nta les truffes houa terfez le nom scientifique ntaou Terfezia leonis sauf appelée truffe du désert parce qu'il y a le désert en symbiose avec les racines de l'Artemisia herba elba avec les racines de chih dans le Sahara elle a bien connu le truffe du désert ou elle a bien connu le truffe blanche ou la terfesse elle a quand même des noms vernaculaires ou le nom scientifique qui m'a connu roi Terfezia Leonis. Nous avons l'origine du mot inter Terfez. Andna Terfest origine berbère. Tani Terfas origine berbère normalement. Andna Terfez origine arabe ou tuber origine latin. Ou هذوما les photos réelles تاع les schémas les كنا نشرحو فيهم l'évolution تاع l'apothécie chez les tuberacées. هذا le genre Genea les كنا l'ascotécie تاعو un peu enfoncé le sol. هذا le genre deuxième ethnocystis les tkoun la apothécie taou retournée et enfoncée dans le sol donc plus évolué que Genea. Fait troisième genre plus évolué que les deux genres les tableaux la apothécie se referme mais je suis complètement fermée mais peut-être d'un lac ou les médiums se plissent. بعد عندنا dernier genre ou genre le plus évolué هو le genre tuber. دينا deux espèces comme un exemple من le genre tuber. Espèce tuber
نيتيديوم اللي قلنا مازال كان محافظ على لونغلوب اكسترن وتظهر عنده مي اون اوفيس هنايا بور لي زيشونج غازو ويكون كومبوزي دو بلوزيور كومبارتيمون شاك كومبارتيمون فيها اوفيس لسبيس تيوبر ميلانوسبوروم اللي هو ان لسبيس بلوز ايفولوي في الجون تيوبر هو لي تروف نوار كيما قلنا نورماركيو بلي لونغلوب اكسترن تاعو disparaît. Ou fait bzaf di pour bien sûr pour la respiration. Ou had l'ensemble de les genres ta had la famille tu vois assez and un mode de vie ça profite ou symbiote. Mycorhize. Qui m'a connu. Had donc les truffes les enfoncer le sol. و دير سيمبيوز مع لي غاسين وخدينا ان اكزومبل تاع تروف يدير سيمبيوز مع غاسين اللي كاين اون الجيري اللي هو الترفس يدير سيمبيوز مع 3 بلانت هنا في الجزائر مي بزاف مقاوح مع لارتيميزيا اربا البا مع الشيح في لو ديزير على بها يقولوا تروف دو ديزير و بيان سور كيما قلنا ما يديرش سيمبيوز غير مع لي غاسين تاع الشيح مي جوسي يدير سيمبيوز افيك لي غاسين دي سيست اي لي غاسين دو ليليانتام كومون سو ديفلوب ان ميكوريز دو تروف راح نجاوبو على هاد لا كيسيون كيما قلنا لي شامبينيون دي اسكوميكوتا عندهم فيلامون ميسيليان سيبتي هاد بيان سور ماشي كامل نهضر على اللي كيما في هاد الكا عندهم تال ميسيليان تال ميسيليان سيبتي دونك لي فيلامون ميسيليان سيبتي نتاع هاد لو شامبينيون سو ديفلوب ريكوفران لي راديسيل لي راديسيل هما لي راسين سيكوندير نتاع لا بلونت Parce qu'on a les hêtres champignons et riches en symbiote avec les racines des plantes. Donc, chiquelina mycorhize. Kima qu'on a bête ma les filaments myciliens septés des hêtres champignons se développent recouvrant les radicelles, les humains, les racines secondaires formées comme des petits manchons autour de six racines. Puis, en avril, on a la formation des sphères. Elle a le mycélium. Donc, des sphères se forment sur le mycélium. Après, seules quelques-unes, mais chiquement, seules quelques-unes se développent en truffes. Mais chez Gahad, les sphères se développent en truffes. Mais seules quelques-unes se développent en truffes. D'accord. Flété, head, les truffes devient indépendante des racines. Manetha, head, les truffes se détachent. Ou tout de suite, elle a les racines de la plante. Ouf octobre, décembre, on a la maturité de les truffes ou l'être indépendante de les racines de la plante ou de l'arbre. Donc, c'est le moment de récolter les truffes maturées. Ou de coup, comestibles, bien sûr. Les bénéfices pour la plante. Les champignons permettent la plante d'absorber l'eau de meilleure façon. Donc, il se met la plante l'absorption de l'eau de façon meilleure. Ou tenir la protection contre certains micro-organismes. Donc, il y a certains micro-organismes qui sont capables de l'absorber. Ou tenir يساعد
la plante à la stabilisation dans le sol. Il sert la plante à la résistance à la sécheresse et au froid. C'est pour ça qu'on trouve les truffes dans les déserts. On a un exemple des plantes avec lesquelles les champignons peuvent vivre en symbiose avec les racines. On a chêne, genre curcus. On a hêtre, genre fagus. On a châtaignier, le genre castania. Noisetier, corylus. Bouleau, putula. Pince, pinus. Cinnamon, cèdre, cedrus. Ou épicéa, picia. Où les plantes camel peuvent développer des cultures de champignons à côté de leurs racines. Les espèces prisées pour l'alimentation, les truffes noires, tuber, milanus pomum. Les truffes noires, sont les plus chères, la commerce, les prix terrain, ils comptent de 200 à 300 euros le kilo. Remarque, on peut créer des truffières artificielles en utilisant des chênes qui mais les plantes les des champignons symbiose avec les racines de منها le genre corpus. Donc qui fait chenille mishdou had la plante had les chênes par exemple genre corpus. J'ai certaines espèces menhèd le genre, on infecte les racines menhèd les espèces par les champignons. Bête met soit par infection naturelle ou là artificielle. Bête met ça bien sûr l'infection menhèd les racines menhèd les espèces menhèd champignons. Sera la formation de les truffes. Après symbiose, de les champignons, mais les racines, de les plantes, terfèse, ou les éléments vernaculaires terreau, ou nos scientifiques ou terfésia lyonis, ou la truffe blanche, ou la truffe du désert, ou la truffe du sable, etc. Nous avons Fourgla, Hassim Saoud, غرداية بشار تندوف etc. من الديزار نتاع الجزائر. وهنا بالنسبة للكولتور نتاع لي تروف عندها انتيغي دو كوميرسياليزاسيون بيان سور. كيما قلنا لي تروف عندهم انتيغي في لاليمونتاسيون ترفيز البخي نتاعهم يتراوح من 1200 dinars le kilo jusqu'à 10 000 dinars le kilo. Le prix de tahom donc dépend de la quantité qui a été récoltée pendant l'année. Oui, la quantité bon climat, les conditions, les racines, les riches feront aide le champignon. On a une bonne température douce, on obtient une grande quantité de les truffes. Bien sûr, madame, la quantité bzaf, on pousse souma, on pousse le prix de les truffes. Mais si le climat a été perturbé pendant l'année, on n'a pas une bonne quantité d'intérêt les truffes. Ou madame, la quantité d'intérêt truffes n'en sait. Donc, le prix par l'air d'intérêt les truffes. Donc, à la seule quantité qui a été récoltée pendant l'année, il compte le prix d'intérêt les truffes. En médecine traditionnelle, les vertus de champignons sont appétissantes, il faut trop chérir,
tonifiante et nشطة laxative يديروهم كمسهل ولا ملين للأمعاء laxative contre la constipation. Donc عندهم un intérêt في l'alimentation ou مهمين بزاف وينصحوا بيهم تاني بزاف la femme récemment couchée ou la tani les enfants les عندهم problème de croissance. Alors parce que من الغذاء نتاعو هاد لي تروف يساعدوا على la croissance des os des enfants. Parce qu'ils sont riches en protéines et en divers sels minéraux et en oligo-éléments. Bhada, on connaît que maintenant, comme l'ordre des plus isales, même ce filon des plus isomycotina. On connaît que maintenant, guère ce filon des plus isomycotina. Ou à Hin Nrpo le chapitre des ascomycota. Besh Ndorno le chapitre des basidiomycota. Donc en conclusion, c'est le chapitre des ascomycota. Les ascomycota présentent de grandes variations. Bien had les variations maintenant la reproduction sexuée et asexuée très variable entre un genre et un autre et un sous-filon et un autre etc. Maintenant une grande variation. Telle variation l'aspect qu'un lien d'un aspect macroscopique ou qu'un lien d'un aspect microscopique. تالي عندنا variation في l'usage. كاين اللي comestible, كاين اللي toxique, كاين اللي نستعملوه في دومين ميديكال ويداويو بيه وكاين اللي toxique ou danger pour la santé mais en même temps يديو منو des substances ويستعملوهم تاني domaine médical ou la préparation des médicaments, comme par exemple le claviceps purpurea. Donc, l'usage des espèces de l'ascomycota est très variable. Ou tani la morphologie, très variable, la morphologie ou l'appareil végétatif. عندنا كاين اللي عنده طال unicellulaire de viriforme كاين اللي عندهم طال mycélien septé ramifié هذه هي essentiel عندنا grande variation donc هذا le filon des ascomycota difficile à retenir parce que بزاف les exemples و ثاني مش متشابهين مع بعضهم كل exemple, ils sont différents de l'autre. Mais quand je viens de trouver une carte, c'est cher beaucoup. Donc, la vie est difficile à retenir. Mais, بالإعادة واحد كي يفهم الحاجة ويبقى يعاود فيها خطرة زوج ثلاثة إن شاء الله تترسخ في راسو. Bien sûr, حنا ندين غير اللي يهمنا tant que pharmacien ou l'utilisation et tout. Ou les amis, l'aspect ou l'appareil ou la reproduction ou kulish à chaque espèce de carnage. Mais quand je espèce de carnage, ma mouche mohim ou la kadro, mistarna ou ali, l'air. Il faut retenir gare les détails d'ailleurs les espèces les carnages. Parce que chaque espèce de carnage, عنده انتيري في الفارماسي ويهمنا تركو فارماسيا ما كانش حاجة قريناها غير عكتاك وخلاص تقافة عامة وكما قلنا الميكولوجيا راح تهمنا بزاف في الكاتريماني ان شاء الله في التوكسيكولوجي ايتو دونك لازم نديرو الباس في الدوزيام اني
في الأخير les as comicota c'est un vaste embranchement diversifié mais uni par la formation de l'ASC. يبقى العامل المشترك بينهم كامل واللي يوحدهم نقولوا l'unification هي la formation de l'ASC. ASCO ميكوتا عندهم ان ASC. بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. Bon courage, il est là pour le vidéo القادم, Inch'Allah. Salam.